for me, I'm coming from the back. Yeah. C'est ah oui, voilà, comme vous le remarquez, reçu comme un chef de l'État. Oui, vraiment, comme vous le remarquez, c'est Félix Tshilombo Tshisekedi, reçu à la hauteur de son poids. L'Afrique du Sud le reconnaît comme un président de la République. Et bien voilà, ça c'est du jamais vu. Jamais un opposant a été reçu comme ça. Il est vraiment escorté par la police, la métro. Et vous le remarquez vous-même, ah, ça sort vraiment de l'ordinaire. Ça sort vraiment de l'ordinaire. Ça sort de l'ordinaire. Le président Félix Tshisekedi, très honoré en Afrique du Sud, Ramaphosa tout. Il a tout mis comme moyen pour les recevoir comme étant un chef de l'État. Voici Félix Tshisekedi dans une voiture très luxueuse, envoyée par le président Ramaphosa. Ah oui, ça vraiment ça sort de l'ordinaire. Vraiment ça sort de l'ordinaire. Escorté par la police sud-africaine, Félix Tshilombo Tshisekedi, le voilà partir. Ben voilà l'arrivée du président. Vous voyez l'arrivée du président. Plein de gens. C'est moi. Le président de la République démocratique du Congo est enfin arrivé. Monsieur Félix Tshilombo Tshisekedi. Escorté. Officiels sud-africains sont venus. Les officiels sud-africains sont là. Le roi Zoulou est là pour accueillir le président de la République démocratique du Congo. Ah oui.
Viva! 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 Le parti, vous voyez bien ça, le parti est déstructuré, vous voyez bien moi, vous voyez bien moi, vous voyez bien moi, le parti le mieux structuré, c'est l'UDPS! Le parti le mieux planté, c'est l'UDPS! Le parti le plus populaire, amis téléspectateurs, comme vous le voyez ici, toza awa na kati ya vente et si ko wapi to yo kana ki to koyamba président Félix Tshisekedi na ebisi bino eza koyinda awa sale tondi pour a craquer toza awa kande bozo mona hein bato ba roi ya KwaZulu Natal azawa toza na numéro 1 ya aéroport donc bato minene ya mboko yo ba s'engager pour ba kokuta na Félix Tshisekedi donc na ebisi non les lots vraiment beaux à la brancher pour beaucoup c'est pas la marmoué bien ça attendez bon moi n'est ce ça les tondi la n'est pas qu'était donc le président Félix ça va allez signalons c'est la présence du professeur André Mbata qui est vraiment un grand combattant, un grand leader. Alors nous le voyons ici, juste vos impressions professeur, juste vos impressions. Non mais je suis ici pour saluer la présence du président Félix Tshisekedi. Il y a beaucoup de valeurs que nous partageons ensemble. Et je sais que le président Tshisekedi avec nous partage les valeurs de l'état de droit, de la reconstruction de notre pays. Et puis le président Tshisekedi, comme d'autres leaders, ont signé le manifeste de la transition que nous avions adopté à Paris au mois d'août de l'année dernière. Il était clair pour nous qu'il n'y aurait pas élection libre et transparente au Congo. Il était plus clair pour nous que le régime actuel n'était pas en mesure de reconstruire notre pays et qu'il fallait prendre notre élan et il fallait demander à tous les Congolais de se mettre debout pour construire un Congo nouveau. Et je crois que la démarche du président Tshisekedi est dans le même sens et c'est pourquoi je suis là pour l'écouter et puis également pour le saluer. Parce que nous en profitons pour avoir votre avis à propos de la gestion actuelle du Congo, tout ce qui se passe, il y a des décès, des crimes par-ci, par-là. Vos impressions, les gens de Lucha sont victimes, alors juste vos impressions, comment faire pour éradiquer tout ça? Bon, mais je crois que au pays, nous avons fait plusieurs conférences de professeurs d'université, je crois que vous l'avez suivi. Nous avons été à Lubumbashi, à Bukavu, à Kisangani et bientôt à Goma même, où on vient de tuer un camarade de Lucha. Le constat est clair pour nous, c'est que la nation congolaise est en péril. Nous l'avons dit depuis plusieurs mois. Et il est important que les Congolais en prennent connaissance. Il est important que les Congolais se mettent debout. Et je crois que nous parlons de ces choses à quelques jours du 30 juin 1960. Nous espérons pour nous que ce 30 juin, c'est le dernier avec le régime actuel. Et vous savez, le 30 juin, c'est le premier jour où les Congolais avaient chanté le debout congolais. Et nous croyons nous profondément que ce 30 juin, c'est le début et ça ne va plus s'arrêter jusqu'à ce qu'il y ait effectivement un changement dans notre pays. Merci beaucoup. Merci. Secrétaire général des combattants, juste tes impressions. Oui, merci beaucoup, Sarival, de m'avoir passé votre micro en ces jours spécifiques. Nous voici dans la salle où nous voulons entendre le président Félix Étienne Tshilombo Tshisekedi qui doit haranguer la masse qui a toujours été derrière lui comme du temps de son père. Voilà, donc à cette occasion, nous l'aurons signifié que nous voulons aller chez nous. Nous ne sommes pas obligés de vivre dans les humiliations dans les pays des autres. Nous sommes la main d'œuvre nécessaire pour le développement de notre pays chez nous, au lieu d'être sur les rues des états des autres. Notre paradis, c'est le Congo, ce n'est pas Paris, ce n'est pas Johannesburg, ce n'est pas New York. Ainsi, nous voici mobilisés depuis tout son séjour ici. En tout cas, Sarival, vous avez toujours été avec nous à cette page médiatique pour signifier combien les Congolais ressort sa soif, ressort vraiment son sentiment pour le signifier au cadre officiel qui est Félix Tshisekedi. C'est, dis-moi quelques mots comme ça que nous signifions sur votre micro. Merci. Et nous avons aussi un des cadres de l'UDPS. Docteur, bonjour. Oh, oh. Bonjour, docteur. Bonjour. Juste vos impressions aujourd'hui.
On est venu assister à la communion entre le président Fatshi et la communauté sud-africaine. Et vous-même, vous connaissez l'importance de l'Afrique du Sud dans la politique qu'émet notre pays de libération. Et aujourd'hui, nous venons l'écouter parce qu'il a beaucoup à échanger avec la communauté de l'Afrique du Sud ici. Et nous sommes impatients de le voir, de communier avec lui, de le célébrer parce qu'il venait d'être porté à la tête d'un grand parti de notre pays, l'UDPS, le parti le plus structuré, le plus organisé du pays. Nous espérons le porter au pouvoir. C'est ainsi que nous sommes ici pour être témoins de ce qui va se passer. Signalons sur la présence d'un grand leader, Thierry Bachala, le beau-fils de Mandela. Il est venu ici, c'est vraiment une opportunité, ça fait longtemps, il a parlé. Nous saluons sa présence d'abord. Bonjour Thierry Bachala. Bonjour son rival. Juste vos impressions à propos de l'événement d'aujourd'hui. Bon, tout c'est Pelli, Toyoka. Agenda est à moi quand tout le monde a changement dans le mot cannabis et c'est pour cela que je suis le lot pour Toyoka et tous à ma disposition possible pour tout changer ma cambose ça à Namboko. Silence est à terre, ça est à publicité, tout ça là, lobby est à l'oubaya au moro. Merci, nous voulons vous laisser alors parmi ma fidèle au Balandaka. Vous-même, il faut s'en rival. Vous avez la Kabila, Yemoko, la Nama Landaka. Vous avez un message particulier pour que ça Kabila à terre de Landaka. Année, il faut ma Kambou changer. Pardon ? Année, il faut ma Kambou changer. Échanger, c'est la canne à pouvoir. Échanger, il faut la pouvoir. Changement, il faut échanger. Merci beaucoup.
I'm reading the Bible. Na mukanda ya prophet Isaiah. In the book of Isaiah. Chapitre 22. Chapter 25. À partir du verset 15. Chapter 22 from verse 15. Sorry. That says the Lord God of hosts. Ainsi dit l'Éternel, le Dieu des armées. Go. Allez-y. Proceed to this steward. Allez-y vers ces gens. Who is over the house of Congo? Ceux qui occupent la maison de Congo. And tell him. Dites-le. What have you heard? Ce que vous avez entendu. What have you heard? Qu'est-ce que vous avez dans ce pays? Qu'est-ce que vous avez dans ce pays? Laissez-moi traduire. And whom have you heard? Et qui est de votre famille ici? That you have hewn a sepulchre here. As he hews himself a sepulchre on high, who carves a tomb for himself in a rock. Qui es-tu dans ce pays? Qui est de ta famille dans ce pays? Pour que tu te prépares un sepulchre dans les rochers. Indeed, the Lord will throw you away violently, almighty man. En effet, l'Éternel Dieu va te jeter loin avec violence. And will surely seize you. Il va te saisir. He will surely turn violently and toss you like a ball into a large country. L'Éternel va te saisir. Il va te lancer comme une balle dans un pays très grand. Amen. There you shall die. Là-bas, tu vas mourir. And there your glorious chariot shall be shame to your master's house. Et là-bas, toute ton armée va être une honte. So I will drive you out of your office. And from your position, I will pull you down. Donc je vais t'enlever de cette position-là. Et je vais t'amener en bas. Then, this is the day. It shall be in that day. Et ce jour-là, that I will call my servant, Félix Tshisekedi. Congo,
We are calling Your Excellency the King for a word to the congregation. Of this region, that we as the Embo Kingdom will originate from the Congo. As the leader of the Congo, we as the Embo Kingdom, the kingdom of the continent. Why do we say it is a kingdom of the continent? Because the Congo, it is the heartbeat of the whole of the continent of Africa. Yes. Therefore, you are going to be leading a very sensitive country. We are going to endorse you today as King Bongani III, leading the Embo Kingdom. We are saying we are endorsing you to go and make sure that you lead that country and make sure that culprits, people like Kabila, they don't come back again. That man, he is not fit. He is not fit together with his father. They were not fit to lead the Congo. They have murdered a lot of people. They also murdered a very important person of our kingdom, a paramount chief Nsapho. And therefore, we don't want to see him. And I would be happy if you take over. Make sure that that man goes to jail. I call upon other chiefs and the paramount chiefs in the region of the DRC to do the same, to support you. We are endorsing you. We say Bayete, long live our president, and we'll support you and your party, and we'll make sure that this moment, it is viral. Everybody must see it. The whole of Africa and the whole of the world must see that the kings and the chiefs are supporting you. Bayete! Bayete!
maboko makasi. Now, Tozana secretary ya ba combattant. We have the secretary general of the combattant. Zadio, Azana Memo ya Kotanga, President Zadio. Ceci, c'est juste un texte de mémoire que nous avons dédié au président de la République, M. Félix Tshisekedi. Ceci est parti par de mesures de consultation. Tout combattant a donné ses mots. Voilà, nous avons harmonisé un texte. Je vais lire. Son Excellence, Monsieur le Président Félix Tshilombo Tshisekedi, vous êtes le bienvenu parmi nous et sentez-vous à l'aise, comme disent les anglophones, feel at home. Depuis une décennie, l'Afrique du Sud a commencé à jouer un rôle d'une certaine influence dans les politiques des États africains ayant un impact tant positif que négatif. Et alors, concernant notre pays, le Congo, cette Afrique du Sud est à une position géostratégique qui nous a toujours été favorable dans la lutte, car nous voici juste à quelques distances faibles de chez nous pour tout ce qu'il nous a fallu au programme de cette lutte. Monsieur le Président, voyez en face de vous cette honorable assemblée bien engouée et enthousiasmée de votre aimable présence en vous exprimant ainsi un soutien nécessaire sur tous vos passages dans ce pays et partout ailleurs. Eu égard à tout ce qui vient d'être mentionné, nous signalons que nous sommes la diaspora congolaise la plus grande de toutes au monde dans l'esprit de la Tshisekediologie. À entendre par là, l'amour. Rappelez-vous, lors des élections de 2011, partout où l'esprit était ce qu'il dit passé, il parlait en termes de bolingo. Bolingo. Et à entendre par là, l'amour, l'unité et la poursuite de l'objectif sans relâche. Nous sommes l'unique diaspora où il n'y a pas de conflit, pas de division et rien que l'harmonie. Monsieur le Président Félix Tshisekedi, voilà pourquoi et comment, lors de son arrivée ici en Afrique du Sud en 2010, Sa Majesté le Patriarche et Esprit Étienne Tshisekedi Wamulumba s'était exclamé de voir l'accueil que cette auguste assemblée lui avait réservé et étant ému, il lui dit dans ses propres mots que nous citons Natamboli Namokili Mobimba Bayambingaï. Kasi, oye bino bosali awa, ore kibango. Alors, partant de ça, c'est une expression d'un soutien permanent depuis lui-même, de son vivant, jusqu'à vous aussi, Félix Tshisekedi, puisque nous vous voulons à la magistrature suprême du Congo. S'il vous plaît, Félix Tshisekedi, il ne faut pas vous compromettre. Monsieur le Président,
Les combattants vous demandent de leur dire quelle sera leur récompense une fois que vous êtes passé à la tête du pays. Nous allons bientôt conclure par un refrain de notre hymne national quand nous chantons. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. J'arrête là-bas pour dire ceci. Oui, pour dire que nous voulons réellement aller bâtir notre pays du mot à l'acte. Nous voulons rentrer chez nous, refusant d'être exploités comme la main-d'œuvre moins coûteuse au profit des nations étrangères qui nous boudent avec tous les risques que d'aucuns ignorent. La dernière phrase vient avec la situation concernant l'UDPS ici en Afrique du Sud. Les combattants vous demandent de statuer la hiérarchie. Que vive le Congo! Que vive l'UDPS! Que vive le président Félix Tshisekedi! Que vive les combattants! Que vive Al-Qaïda ma force! Général des combattants Afrique du Sud, et vous aurez ce texte puisque nous avons notre copie, nous vous le remettons. Un jour au rendez-vous, nous nous en rappellerons. Je dis et je vous remercie. Thank you.